projet, un business plan de nouvel ordre mondial, le nouveau monde. Il y a certaines choses qui sont en priorité chez eux. Parmi, c'est le médicament, c'est les trucs pharmaceutiques, hospitaliers, tout ça. C'est pour ça que jour après jour, tu vois les grandes entreprises de médicaments, qui soient fabricants de recherche de virus, comme Institut Pasteur et comme les fabricants de médicaments en France et tout ça, ils sont en train d'être isolés et retirés de ce marché mondial qui est surtout ces vaccins de coronavirus et le prendre à la main des Américains, business américain, mais capital en Chine, parce qu'il ne faut pas. On n'est pas naïf, l'homme ne devrait pas être naïf. Tu sais, Cyrus, actuellement, on parle de plusieurs sociétés fabricantes de vaccins, mais ce vaccin, tout est chinois. C'est le montage qu'ils le font en Russie. Après, on dit il y a vaccin de la Russie, vaccin indien, vaccin britannique, vaccin américain. C'est vrai, pour avoir ce marché en main, qui est déjà en main, c'est en main d'une grande société parmi ces gens-là, c'est vrai que certains d'autres médicaments qui pourraient être utiles, on va faire des propagandes pour isoler les gens de ça. Comme histoire de notre professeur Didier Raoul, à mon avis, c'est mon idée, c'est une richesse pour la santé mondiale. Mais imaginez-vous ce qu'on a fait contre lui, on est en train de faire, on est en train de le massacrer. Ça, tu as raison, ça, c'était des coups dans le secouler, dans le coup de. Parce que la pharmaceutique, c'est très important. Parce que quand tu as la santé des gens en main, ça y est, c'est fini. C'est toi tout. La santé des gens en main. Écoutez, dernier discours de Tedros Ghebreyesus, directeur de l'Organisation mondiale de la santé. Écoutez ça, c'est très important les choses qu'il dit. C'est très important. Il précise que c'est le monde de digital. Première chose. Quelqu'un qui n'est pas un médecin, c'est Tedros Ghebreyesus, c'est copain de Dr. Bill Gates, mais il n'est pas un médecin, il a pris un doctorat, il a fait un bouquin, vous savez le doctorat. Alors, c'est lui qui gère la santé mondiale sans savoir quelque chose de la santé, de la médecine, et qu'il est tellement fort. Écoutez bien son discours, toutes et tous, et vous allez voir là-dedans, comme Sébastien, il a dit Cyrus, là-dedans, vous voyez une méthode, une façon de parler d'un dictateur, mais en utilisant les mots démocrate, démocratie, patati patata. Parce que démocratie, le nouveau démocratie qu'ils ont ramené pour nous depuis quelques années, ce nouveau démocratie, cette démocratie, c'est pour avoir la démocratie en main. C'est pour ça qu'ils ont commencé à dire « Toi, triché là, toi, triché là, les élections n'étaient pas bien faites. » La même chose, Donald Trump, il a voulu faire. La même chose qu'on a dit « Ah, là, on a triché, dans l'autre pays, on a triché. » Lui, il a voulu le faire. On est pour ou contre, c'est autre chose, mais je vous informe. Tout de suite, on l'avait fait peur. Il a abandonné, ça y est, il a disparu. C'est-à-dire, démocratie aussi, quand c'est toi qui as le ficelle, quand c'est toi qui as le média mondial, démocratie, c'est seulement le nom. Vous exprimez, c'est seulement exprimer. Mais ils vont faire leur boulot, pour répondre aussi à notre ami de tout à l'heure, Cyrus, ils ont déjà écrit leur programme, leur manifeste, parce que tous ces gens-là, c'est de gauche aussi, hein. C'est des idées gauche communistes, ces gens-là. Il n'y a pas de Dieu dedans, il n'y a pas de religion, c'est des idées matérialistes. Ils ont déjà écrit leur manifeste, et c'est cette manifeste qui va être avancé, et il avance, et ils vont écraser des gens comme professeur Raoul, comme des antibiotiques, comme tel comprimé, comme tel vitamine C, comme tel vitamine D, etc. Cyrus, je vous écoute. Cyrus, parlons. Oui,
Oui, tout à fait. Je pense aussi que on est en train, enfin, ils sont en train, on en marche, on va vers une société machine sans âme.